Salam alaikum, salam alaikum, en balma malion, en bas foucault, parcada, balmakeni, au dingue de Marasila. Jury chercheur, vendredi 5 mai, il y a de très 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 bonnes nouvelles. Kamako badore, kera malini burkina tche, mima delkake, histoire là, mima delkake. Ce qui se passe entre le Mali et le Burkina, c'est historique. Quelque chose vient de se passer qui restera dans les annales de l'histoire. D'abord, à la vidéo à partager le maximum de partage car un chef qui a fait chaque chef tiami aidera comme au froid tiki alors chef qui a soit comme au froid la froid mon na quand il panne pas des attention diabète froid demi rendemi codemi chef qui a numéro 75 64 10 75 64 10 10 new kori ini tiami meyong soro kanga kutubu na ngawoli ufu chef la sana kane ble ble apesibu atetate mochi wadate mochi kakula. Koko na gelara malikola wulebeke kase anga kutubu wa. Na ye lasana kane fu, ame shek sala fu, kanjalo. Lere faye segu dauda kanjalo fu ya mfotuba kura. Nuru toko fura malikono doningola. Ine ngalteka la murkete yin semenge. Kamadu kanjalo fu, fu ya mfotili. Ka fami kanjalo la ka befu malikona la. Vrema amemta. Ka duwa winu fe. Ote malika, victoire gloire. A mambru be ambe a befo munu be jela korodi sakuna ka mgo ka damne fana samayana mbashi kase a toko potofle ono gabo modi na ka chedo wani yata bare nunu eske vuvoye anga mgo munu be segu anga mgo munu be kita anga mgo munu be kolokani eske ya famu ka aprezamba segu tungara gid la jo nunu eske vuvoye adama samake nunu ou beka fouli vraiment abe ni yoro la nani nana minto koko ouka aketo fort du chemin ka bef wadaman jara ben le cerveau en bas fou vraiment c'est un grand leader palmo vraiment ben gara malien beta ya ka fouli able bele bia donc je pense am sega do an a sujet qu'on a la palmo kabako baf la de kera malini burkina tche d'abord amena afo awe le projet de fédération Mali Burkina ça commence à devenir une réalité kuno président Ibrahima Traoré kabako do fo coopération na mimega ke Mali ni Burkina che c'est la première fois en amé mais en paix kunya la yini ça dire qu'il y a plus de frontières aériennes entre le Mali et le Burkina ko frontière aérienne te Mali ni Burkina che ça dire ko Mali sangolo ni Burkina sangolo kera sangolo kelene. Ko Burkina avion me do Mali kono chominga duye ka intervention nge. Ko Mali yere avion fana me do Burkina chominga di ouye. Kata terrorisi ou yini, kata terrorisi ou halaki. Ko Mali ni Burkina be ka opération militaire badeke. Ko a opération do la. Esi avon, go defwa ko Mali avion mana do Burkina territoire ka. Koube opération nge ka men opération na. Ka do la koube si wakadugu. Ube obe shi bobo. Nou shi la dougou manadja obe avion ta obe sa gengana Mali la. Burkina avion fene manana. Esi avamu nou be ga terrorisou gen. Nou dougou na Mali kono. Automatiquement Burkina avion me terrorisou poursuivi Mali kono. Kou frappe. Nou frappe. Ni pilote Burkina be ou sengena. Obu repose Mali la. Esi avamu. Automatiquement le lendemain obu ga avion ta obe sa gen Burkina. Donc kou frontière te jamana nounou ni yonche. Parce que. Président Ibrahima Traoré koko ennemi commun kelene be ni jamana nununa. A ennemi commun o terroriste we. O be bulka tieninga ka Mali kono ka burkati idogo Burkina. O be tieninga Burkina ka burkana Mali la don opération mi wileme u kama. Opération o be ka bunte Mali la chomna. U mana boliku be do Burkina iba soro Burkina be u fene la bene u fene be u bunte. Ore la bi terroriste ko avec a doa bi. Ore la Mali ni Burkina be ka succès baden sur terroriste ka Mali ni Burkina succès mi sur terroriste ka G5 Sahel ma sur or la ibaro ko kele la ko politique ka bwala kwa bloku ka bo kele la aw ye G5 Sahel ke ni coopération yo ma de ka G5 Sahel la a fora G5 Sahel la ko ka droit de poursuite di a jamana kono mugo ma jamana kono ko ni terroriste ye tieninga jamana kono do kono ko ka ti do jamana wore ko ka droit de poursuite di wallahi G5 jamana ou maswama. Donc, imaginez, c'est d'un coco, allez, mais quel est le tchou blagana. Malini Burkina demain, Malini Burkina fleka iroula, kou mokoti kalege tchela. C'est-à-dire, Malini Burkina ka coopération, ni ne coopération yere yere.
C'est la première fois dans l'histoire en Afrique. Pays flaki bolo di nyoroma. Ou beka djougou kelen kele. Wa kele. Et si y'a famo a résultat beka ye bi. Ame wakati mna an ou akli sikira. Donc frontière aérienne. Ni Mali sangolo ni Burkina sangolo bekera kele. Ame douge sa Mali. A Douma Kolo, à Burkina Douma Kolo, ou Beka Kele. Donc, nous avons un projet de fédération, nous avons un projet de fédération. Mali, Burkina, ça commence à devenir une réalité parce que frontière aérienne fermera, frontière terrestre. Et si nous avons fait au Fénaka fermé, et disons, nous avons fait au Fénaka fermé, et si nous avons pour que Mali allait en Burkina, il va y avoir un quête Douma Kolo Kele. C'est-à-dire, ni nana Mali la taxi ni fait mon nom de pika, itara Burkina ou taxi non fengelo nga pika ou bébé intégration, ane fédération ja, ane nga vole ware fo, tiens la barabe gake au niveau des autorités. Mais ou ka fere ke Burkina société civile ni Mali société civile, ane la Guinée société civile abe do yon a chomna. Mais se gaka, nou yo barake ore bato, eski ya famu, fédération koui, abseka ke tien parce que ni fédération tora dirigeant ni yon tie dono lu bise ka fon yon go maintenant tora peuple ni yon tie peuple fo man ni yon go re est-ce ya famu donc o yoro la o teseka ke ni eta o musin do ala par exemple na Karim on ye bi kata Burkina société civile ou ka ko do la bi a moins te on ye na Karim Burkina fane ou ka société civile il a fait un meeting minge, le 25 mai à MINUSMA. Je suis allé au Burkina Faso, ni état mis en place, ni Ibrahima Traoré mis en place, aucun gelon. Et si y a famu, quand on a jamana kono, et si y a famu, quand on a jamani fait ça demande des moyens. Ou bien, quand on veut la Guinée, on va la Guinée mouro demeku assister. Ou tu sais que ni état qui demette. Boni ferekera, population a commencé à donner on a cabré c'est ça. Voilà, il y a un projet de fédération intelia. Ce projet de fédération va voir le jour. Donc, au Tenya, pour société civile ou Kafarayor, au Tenya, présent Fembebe Assimi, Ibrahima Traoré, Aleni, et Guinée Mamadou Doumbia, ou Kagre ou société civile ou là, ou Kagre ou force du schéma ou là, ou nous ka baraké yon fait, pour que nous bara yon bébé se gagne, comme nous titan yon an. C'est-à-dire, il sera projet de fédération, kassore ma peuple ou douala. Au Temele, nouvelle flana et mouné. Bolmo, aïe, Assimi Goïta fo. Aïe, Chougel, ga gouvernement fo. Aïe, Abdoulaye Maïga fo. Kabako, belé, belé, ba de kera dans l'histoire, mima delikake. Yoro, akli bala, tienim bado kera Burkina. Noye, e fagali bado, no kera karma, wa dougoudobe ko karma. A fagali kele iba e kafo, tumabou de nodu. Parce que ni tumabou be yoro yoro. Ou be chiako kele ni chiako manga ngulie. Donc, on est sempe, fagali bo min kera, Burkina autorité ou be gaf, a nyinin ka don jone fagali ke jone tieninge a roina. On Burkina maklo la seda ou be giringi pa, ka termou do utilise, no e termou genocide. Ko genocide de kera yi. O koroye, kou ya dabo ko ga chiado de latounou. Ko ga chiado de latounou. Ah, Mali gouvernement de fle ka communique ke, Burkina Mola. Ka kangar da CDAO présent ni nye. CDAO présent mi na te maloya mwoma. Ni mwom mouli balido. Ni mwom siri tigelendo. Esi yafamo. Ni drogou fere la korodo. No ye ambalo. Iba ye kafo. Mali autorité ou de ya repo a travers un communiqué. O communiqué la ou ya ira koubouga disouman kesa ira. Burkina seya minkera. Oube doa ouke Ibrahima Traoré anaka population. Wala ka hine bambagato lala kou daorosma. Mali gouvernement ou ko temele ou ko mi a toro nama beama. Ko deye eskia famu. Ko ibre a toko boton fle ou non. Seda ou preza no e embaloe. Drogou fere la ou ka jamana. Ko embaloe ne fle. Ko ka manamana kanta ka fo Burkina. Ko genocide kerae. Ni ko genocide kera Burkina. Konsekansi bare bala. O koro deye. Ko eta bigi sigi ka le. Ouye eta ya ke. Ka chia do latounou, ka chia do ko latounou rapidement. Parce que djien kono, djien charia babe benaga ko genocide ko kon. Ko na kera djamana mna, ko ne genocide ke ko koro de ki a ke djien bela. Ni ko ybe chia do latounou, ou bien ko ybe groupe armé do latounou, ou bien ko ybe groupe politique do latounou. Donc genocide koro, c'est pour ouvrir la voie à une intervention militaire étrangère. Parce que
texte ou baïra, qu'on est génocide, qu'elle a coûté un bel et bien j'ai qu'il est. Oh, Maliko, Burkina Maclaga, enquête-là. Burkina Maclaga, et Burkina ma conclusion dit, à ma résultat dit, quand même, quand on a assisté, bi, à ma ouatimna, c'est-à-dire, au thé doré, il va y kafo, qu'on embolo, kaye, Burkina accusé de génocide. Alors que, vous savez, on a blatchoshi là, Mbalo manga bla chokoshila tange Burkina autorité ou makla enquête conclusion. Otma Mbalo wege Burkina population feka Ibrahima Traoré boa. Otemele ko seda ou fene klala ka segi Mbalo ka communique ka. Mo pour mo ka Burkina accusé de génocide. Maliko kate tjenaye bi kate tjenaye sini. Et si yafamu. Parce que les juridictions internationales, comment on appelle là, sont complémentaires des juridictions nationales. Juridiction internationale ou au lieu de la juridiction nationale complétée. Ni ce pays qui a principe tagalai, c'est le principe de complémentarité. Ni état de cela ou bien état coco enquête c'était allé, et ben ce pays mourra ben c'est mais tant que enquête c'est état, état ma ira confirme mal le balika enquête que, et ben kafto, et ben kafo communauté internationale. Obeto Burkina kore Burkina klekele ma ira ko seta le ka enquête ke Burkina ko kai enquête daile ko gendarmerie brigadou olubega enquête ke on seda mo enquête conclusion kono kaka conclusion tire ko génocide kera e se ka foko chia ko chia do la tuna jori parce que ni ko génocide kera cela montre que est-ce qu'il y a famu il y a l'idée de préméditation on va ira ka foko intention ni bien ko intention ni bien est-ce qu'il y a famu ka atoko boton flemo no ka chia do latun on oduma ira donc maliko kabe kangar dawiye koni objectif te dore de ko seda obe ka ninkane embalo parce que malin burkina be ka coopération men ngame ka bantero sou la me ka terror sou wala ki ko ube fere ka opération militaire jo malin burkina cheko wakuti jenae uye kangar da bon un petit ramassé en français et je vais faire un petit ramassé en français de ce que je viens de dire. Vraiment, il y a eu de très 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 bonnes nouvelles. Le président Ibrahima Traoré a fait une intervention au cours de laquelle il a affirmé qu'il n'y a plus de frontières aériennes entre le Mali et le Burkina. Que les avions burkinabés peuvent frapper les terroristes sur le territoire malien, vice versa. Que les avions maliens aussi peuvent frapper les terroristes. Est-ce que vous voyez les terroristes jusque sur le territoire burkinabé. Donc, il n'y a plus de frontières aériennes entre ces deux pays-là. Ça, c'est une première vraiment dans l'histoire de coopération militaire entre deux pays. Le président a même fait une petite anecdote. Ils disent que souvent, si les avions maliens viennent faire des interventions au Burkina, que des fois, c'est-à-dire ils passent même la nuit sur le territoire burkinabé, ils dorment là-bas, ils passent la nuit à Ouagadougou, à Bobo. Le lendemain, ils repartent avec leur aéronef. Vice versa aussi. Des fois, des aéronefs burkinabés aussi, s'ils mènent des opérations sur le territoire malien, des fois, ils passent la nuit à Bamako. Le lendemain, ils repartent avec leurs avions. Cela montre un bel exemple de coopération vraiment entre deux pays. Ça veut dire que la barrière au niveau de la frontière aérienne, cette barrière elle est cassée entre les deux pays. Ça veut dire que nous avons un espace aérien commun. Le Mali et le Burkina ont un espace aérien commun maintenant. Donc vice versa, les avions maliens peuvent cibler des terroristes au Burkina et les avions burkinabés aussi peuvent cibler des terroristes au Mali. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Nous souhaitons que aussi et les barrières au niveau des frontières terrestres aussi puissent tomber, que nous ayons vraiment un même territoire vraiment à sécuriser, à protéger, que vraiment le territoire malien et le territoire burkinabé puissent être vraiment le même territoire. Si on a cassé les frontières aériennes, il faut casser aussi les frontières terrestres, mais ça vient petit à petit. Donc il faut prendre en compte dans ce futur projet de fédération vraiment les activistes, les sociétés civiles de ces trois pays-là. Il faut faire de telle sorte que ces sociétés civiles aussi puissent collaborer. Parce que le projet de fédération ne doit pas rester, disons, à l'étape au niveau des dirigeants seulement. Ça doit être un,
un projet de fédération au niveau des populations, au niveau des peuples aussi. Donc c'est ça qui va faciliter vraiment ce projet de fédération. En même temps, je terminerai aussi par la deuxième bonne nouvelle. Le Mali a fait un communiqué. Un communiqué de soutien aux autorités burkinabées pour condamner les propos haineux, pour condamner les propos diffamatoires du président de la CEDEAO. Est-ce que vous voyez le vendeur de drogue? Il s'agit du président Mbalo. Parce que le président Mbalo a eu, dans son intervention, à dire, à affirmer qu'il y a eu un génocide au Burkina. Alors qu'il n'est pas habilité à dire qu'il y a eu un génocide au Burkina. Parce que pour pouvoir parler de génocide, il faut qu'il y ait préméditation. Il faut qu'il y ait planification. Rien ne prouve à ce stade qu'il y a eu préméditation, qu'il y a eu planification d'un massacre. Ou bien d'une disparition forcée d'une ethnie. Le Mali a dit qu'il ne faut pas se servir des conflits communautaires pour les instrumentaliser à des fins politiques. Parce que l'objectif, dans le communiqué du gouvernement malien, ils disent que l'objectif de Mbalo et de la CEDEAO, c'est d'accuser le Burkina à tort. Est-ce que vous voyez? D'accuser le Burkina à tort, sans preuve. Parce que le Burkina a dit, les autorités burkinabées ont dit qu'ils vont commanditer des enquêtes. Déjà, des enquêtes sont en cours. Pourquoi la CEDEAO se précipite sans connaître les conclusions de ces enquêtes pour dire que c'est un génocide? Donc, que ce n'est pas du tout normal. Donc, le Mali vraiment met en garde la CEDEAO de faire vraiment à l'avenir de tels communiqués. Parce que le Mali a dit que l'objectif de la CEDEAO, c'est de saboter la coopération militaire entre le Mali et le Burkina. Parce que c'est un exemple de coopération militaire qui commence, qui a déjà porté ses fruits et qui continue à porter ses fruits. Est-ce que vous voyez? Ce que le Mali et le Burkina ont fait, le G5 Sahel n'est pas parvenu à le faire. Les terroristes que le Mali et le Burkina ont pu tuer à un axe de temps record, durant la présence de Barkhane, les 10 ans de la présence de Barkhane, ils ne sont pas parvenus à le faire. Donc, l'objectif de la CEDEAO, vraiment, c'est de freiner le rythme des opérations entre le Mali et le Burkina contre les terroristes. Donc le gouvernement malien vraiment s'insurge contre ça et met en garde le président Mbalo dans l'avenir de faire vraiment de tels communiqués. Voilà, c'est ça le petit ramassé en français. Merci beaucoup, je vous remercie.